Hello, bonjour à tous, on se retrouve. Eh bien, on est sur les trails des Pyramides Noires. Et voilà, regardez le petit départ juste derrière moi. Ça part d'ici une vingtaine de minutes. Le départ est programmé à 22h. On va attaquer toute la nuit. Il y a 120 bornes, il y a 26 terriers à grimper. Ça va envoyer du lourd. Je vais tester la nouvelle caméra que j'ai. Bon, là, je vous filme encore avec la GoPro. Après, j'ai acheté une Insta360 qui normalement filme mieux de nuit, donc j'espère que ça sera plus joli à voir de nuit, parce que là on va y passer quasiment, je vais y passer toute la nuit. Voilà, là les petits coureurs arrivent et je viens de déposer mon sac de délestage parce que oui, il y a une basse vie au 73e kilomètre au terri de Los Angeles. Allez, je vous laisse, je vous donne rendez-vous pour la ligne de départ. Elles sont pas un peu fort quand même. Ouais. C'est long, c'est long. Ouais, mais là, je suis pas les premiers à quelle allure ils sont partis là, mais je suis pas sûr qu'ils vont tenir longtemps comme ça. Ouais. Bon, bah on vient de passer le 7e kilomètre et bah il pleut.
On a monté 3 ou 4 terri. Déjà ? Ouais, ben, ça va vite, hein. C'est assez... C'est fluide, le balisage est bon. Et tout va bien. Voilà. En même temps, à ce stade, c'est normal. Bonjour. Allez, bravo. Merci. On est au 10e kilomètre. Alors, je vous filme avec la... Insta S-Pro 360. J'espère que les images seront plus jolies qu'avec la GoPro. Du coup là on est au 10e kilomètre, on est sur un chemin de champ. Ouais, c'est un champ. Depuis au moins un bon kilomètre. C'est assez récent. Mais bon, ce qui était à peu près annoncé. Entre les terris, je pense qu'il n'y aura pas grand chose. Mais c'est pas mal, les terris c'est très très technique. Et du coup, c'est cool, c'est marrant. Le premier, moi je vous ai pas filmé. Parce qu'il avait des cordes dans la descente et c'était très 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 casse-gueule déjà. Du coup ça promet pour la suite. Allez, je vous laisse, je m'y remets. À toute allure. J'en profite qu'on fait un petit passage en ville. Que on est à peu près 97 je crois au départ de ce format. Et il y a ma chérie qui sera demain au départ de la marche de 23 km qui sera sa plus longue distance. Du coup c'est vraiment cool qu'elle se lance là-dedans. Je suis très très fier d'elle. J'espère que ça ira demain. Et du coup là elle est partie se reposer pour être en forme demain. Donc je vais faire ça un peu tout seul. Ça change un petit peu, bon, je préfère quand elle est là. Au moins elle pourra se reposer et être en forme demain. Bon allez. Ça c'est sympa. Un petit peu de musique. En haut du terri. Hier, kilomètre 17, tout va bien, c'est cool, c'était cool au terri, la petite animation qu'il y avait, j'espère que vous pourriez la voir à la caméra, et puis voilà, là on approche de Ravito, parce que normalement, 21e, il nous restait 4 bornes un peu, bon là on est en ville, bon c'est très roulant quand même, heureusement qu'il y a les terris pour faire un peu de dénivelé, mais sinon ça déroule, voilà. Allez, je vous reprends après. Vous avez le droit de remplir vos gourdes là, c'est l'eau plate. Merci. Et café solide, c'est plus loin là-bas. Et du coca, c'est sur la tente. Ok. Merci. Merci beaucoup. Et vous ressortez au bout à droite. Passez bien sur le tapis de contrôle. Vous n'avez pas d'eau plate, après vous allez à la tente là-bas. Tout au bout, il y a la lumière. Merci. Solide, café, c'est plus loin à la tente là-bas au bout. Il y a les lumières. Il y a 8 euros si vous voulez. Tout va bien jusqu'à là? Oui, c'est cool. Ouais, merci. Pas trop froid, ça va encore? Ouais, ça va, c'est bien. Ça va, ok. Il y a le tapis de contrôle, faut pas le louper. Et toi, ça va? Pas trop chiant? Ça va, ça va. Et bonne soirée, bon courage. Ça serait malheureux que ça aille pas au bout de 20 bornes quand même. Ouais. Bon bah première ravito. Non, je sais pas combien de temps on a mis. 2 heures. Bon ça c'est correct. Hein. Ouais, on est pas mal. Hein. Bon bah oui, on est bien. Hein. Bon je pense qu'on va ralentir un peu après. Mais, ouais. Mais c'est pas mal. Hein. Salut. On a mangé. C'est là. Même plus que je filme. Allez, on se retrouve au 31e kilomètre en 3h20 à peu près.
Et il pleut de plus en plus fort. J'en profite, tiens, petit. Bonsoir. Bon courage. Bon courage. Merci. Donc je vous disais, 3h20 de course, il pleut de plus en plus. On a passé deux tirés, dont un était assez raide. Il n'était pas tassé, c'était très très dur. J'ai dû sortir les bâtons. Et je suis bien content de les avoir pris du coup. Le mec devant moi était en train de ramper dans la pente. Bon, de toute façon, j'ai pas filmé, vous auriez rien vu dans tous les cas. Et depuis, on est sur des sentiers, mais très longs. Sans monter, sans rien. Et sur des chemins et des routes. Du coup, c'est beaucoup moins bien depuis à peu près 4 à 5 km. J'espère que ça va remonter un petit peu, on va avoir un petit peu de changement là, parce que sinon ça va être long. Bon, mon vœu vient d'être exaucé. Voilà, ça a changé de décor puisqu'on est en train de. Enfin, je suis en train de grimper à taille. Bon, je sais pas si vous verrez bien à la caméra, mais ça grimpe pas mal. Et par contre, si ça pouvait s'arrêter plus bas, ce serait cool aussi. Je sais pas quoi. Donc je sais, on veut de m'amener un petit terri, peut-être que je me dis que si je dis que ça va s'arrêter de pleuvoir, ça va peut-être s'arrêter. On sait jamais, hein, sur un malentendu, ça serait bien sympa. Bon allez, je rame ça tranquille et je vous reprends après. 36 km. Oh, j'avais vachement ralenti puisque j'approche des 4 heures de course. Ouais, il pleut toujours autant. Là on est dans une ville, j'en profite, il y a un peu de lumière. Et je voudrais dire un grand grand merci à tous les signaleurs et les bénévoles parce que franchement sinon on galère, je vous dis pas sans déconner, c'est on est trempé jusqu'aux os là. Et eux bah ça doit être pareil, et ils sont là, ils ont le sourire, ils nous encouragent et tout, donc c'est vraiment grand 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 merci à eux et bravo et bon courage à eux parce que la nuit est pas finie. Ah, ça que vous traversez depuis tout à l'heure. On a de l'eau jusqu'au genou. Vraiment. Ça patauge dans l'eau. C'est comment ton prénom? Aurélien. Donc c'est Aurélien qui nous fait le guide aujourd'hui. Parce que avec la trace GPX, parce que il y a eu des gros gros débalisages. C'est comment ton prénom? Stéphane. Et à Stéphane aussi qui essaye avec les montres de s'en sortir, mais bon, c'est difficile aujourd'hui. Oh bah, il faut numéro 2. Hein. C'est dur, hein. On n'arrive plus à rien. Je crois pas que c'est le fan encore. Essayez de vous geler. Essayez de vous geler. Vous voulez un peu de sopalin pour vous essuyer ? Allez, petit point pour sur la course. 60e kilomètre en 7h15. Ça commence à être un peu dur. Le balisage, c'est pas ouf du tout. On se perd beaucoup. D'ailleurs, non, c'est bon. J'ai eu peur là. Donc le balisage on se perd beaucoup et la fatigue commence à se faire sentir parce que il pleut toujours, mais la bonne nouvelle c'est que le soleil commence à se lever, ça va faire du bien. Et il reste du coup à peu près 17 bornes avant la base vie. Allez, je reprends parce qu'on rattaque dans le dur. Eh ben dis donc, elle est pas trop mal la vue d'ici. On est au 65e kilomètre et là ce que vous voyez en face c'est les terris jumeaux de l'os, de l'os Anguel. C'est signe de base vie, mais bon il y a encore 12 bornes avant la base vie normalement. Donc je pense qu'il y aura un petit détour, mais ça fait du bien de les voir. Et autre chose qui fait du bien, bah, c'est que le soleil s'est levé. Et du coup, ça rebooste un peu le moral. Bon, même si
La pluie continue à tomber. J'ai du mal à parler tellement j'ai froid. Et j'ai les mains complètement gelées, donc je sais pas si vous savez, mais j'ai maladie de Raynaud. Du coup j'ai les mains qui sont toutes blanches et j'ai beaucoup de mal à activer et désactiver la stat 360. Du coup c'est un peu galère. Mais bon, on fait comme on peut. Hein. Mais là, le soleil se lève, je vais pouvoir me réchauffer un peu. Et le tout érige au niveau de l'ensemble. On est toujours dedans. On attaque l'ascension et après ce sera la basse vie. Et j'ai repris la GoPro parce que je crois que l'Insta 360, j'ai fait un peu de la merde avec. Mais chut, faut pas le dire. Bon, la vue est pas si mal de là-haut. Hein. Je vais faire un panorama du sommet du Théry. Et comme ça, ça fait une preuve si l'organe me demande une preuve. Parce qu'on a poinçonné. Et là-bas, tout là-bas, on voit un autre Théry. Ouais, il y en a un peu partout ici. Et la basse vie, elle est là-bas derrière. Ouais, ça va toi? Oui, ça va bien. Et comment ça se passe alors? Ouais, c'est dur là. Ouais. Ouais, c'est un peu dur. Bon, allez, je vais prendre le couteau là. J'attends les collègues. C'est dur parce que avec les 4 semaines où j'ai pas, bah oui. J'ai rien fait là. Là, on a passé les 70, ça commence à piquer. Là, oui, là on est en 74. Ouais, c'est ça. Okay. Et vous? Bah ouais. Il s'appelle Mathieu. On se retrouve, on est au 77e et il repleut pour changer. Le balisage est toujours un peu aléatoire, du coup j'ai mis la GPX sur la montre pour être un peu tranquille parce que en sortie de ravito je me suis de près trompé deux fois déjà. Du coup je préfère mettre maintenant la GPX. Il reste une cinquantaine de bornes jusqu'à l'arrivée. Normalement ça devrait être un peu plus plat et on devrait avoir moins de Théry, mais les conditions restent démentes. Voilà, bon allez, je vous laisse, je vous reprendrai après. Allez, petit point sur la course, pardon, on est au 82e kilomètre. Ça faisait longtemps que je n'avais pas dépassé les 80. Hein. En 10h40. Allez, bravo. Et je me fais rattraper par... les premiers du 62 qui eux galopent sont en pleine forme. Nous on en chie, mais ça va. Bon, ils en chient aussi. En vrai ils en chient aussi, mais faut pas le dire. Eh bravo! Oh, vous allez plus vite que moi. Vous allez trop vite pour moi. Bonjour! Eh bravo! C'est trop vite pour moi là. Encore un Théry, celui des Gardennes. Petit mais excellent. Avec des beaux singles. Ouais, je me suis pris des orties pour vous filmer ça. Donc, ça, c'est les petites blagues qu'il y a. Un peu partout sur le parcours. Il y a aussi une demoiselle, une étudiante, qui a fait des QR codes, qui raconte un peu les histoires des monuments sur lesquels on passe. J'essaierai de vous filmer dès qu'on passe devant un de ces QR codes. Tout au fond là-bas. Tout au fond, ils sont maintenant les Théry jumeaux. De Los Angeles, Sean Croft.
croisé monsieur Jean l'Empereur, ça fait plaisir, il était sur le 62. Donc c'est cool, ça se passe bien pour lui apparemment. Il est pas trop mal au classement. Après, ils sont à la moitié eux. Nous on commence à attaquer vraiment le dos, on va passer le 90e. Du coup ça commence vraiment, vraiment à piquer. Allez, je le retrouve après. Ciao ciao. Ravito du 95e. Non pépé. J'ai un pépé. Voilà. Il reste combien? Oh, 30 bornes. On va faire en roulant. Non mais là il faut y aller à la tête et au pire à pied. Marcher. Oui, mais c'est comme ça que je vais faire. Je ne peux plus. Bonjour les gens. Alors aujourd'hui, il fait pas beau. Il fait moyennement chaud. Et on est le 18 mai. Vous avez bien entendu, on n'est pas au mois de mars, on est le 18 mai. Et aujourd'hui, c'est le trail des pyramides. Alors, trail pour monsieur, marche pour madame, bien sûr. Donc monsieur, il est parti hier à 22h. Il galope, il galope, il galope. À l'heure actuelle, avant mon départ, il était déjà au 95e. Il galope, il galope, il galope. Et nous, on part à 11h15 pour une marche de 23 km. Soit la première fois que je fais cette distance. Donc, voilà. Donc, je suis accompagnée de ma sœur qui nous tourne le dos. Et puis voilà, on est parti pour se promener et faire honneur au nord et leur mine. Et là-bas, le petit terri tout mignon là-bas, et ben on va l'escalader. Et oui, oui, hein, c'est le terri de Wani. Wani ! Là, il y a un monsieur. Ah mais je râle, là, on sort du ravito, on vient de manger comme des gros porcs, et voilà. Là, vous venez de où ? De gros cours, là ? Ouais, vous avez fait les terri de... Ouais. Là, vous faites des terri. Là. Et après, vous allez à Noyon, c'est ça? Ouais. Et on finit par Wani. En tout, vous en faites combien alors? Moi, 26. 26? Ouais. Pour 126 km. Bon courage, hein. Merci. Hey, c'est le premier! Bravo! Et voilà! Arrivé en toute simplicité. Et regardez, elle a des très jolies baskets propres, moins un peu moins propres. Quel va être le résultat à l'arrivée? Bon bah il est monté hein. Maintenant faut le descendre. Et là c'est pas gagné, parce que monter ça va. Mais descendre, on voit les tailles de l'os là-bas. Regardez-moi ça, c'est ça qu'il faut que je fasse. C'est hyper bien. Je peux pas en jouer ça. Allez ! Allez, on va faire dedans. Mais c'est parti ! Oh bah mince, j'arrive, il s'éteigne. Petit et orchestre qui se font des bijoux. Petit lac. Oh, sympathique. Grande sœur. En mode, qu'est-ce que je fous là? Oui, c'est très bon. Voilà, on va par contre. Très très bon. Oh 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 oh, allez un petit plouf. Ah, même pas. Ah là là. J'ai une idée, hein. Même pas le petit plouf. Histoire de rigoler un peu. On pèse nos chaussures là maintenant. Avec toute la boue qu'il y a dessus. Moi au cas, ils avaient dit qu'elles faisaient 250. Ouais, je comprends pas, elles s'en font 4 fois plus. Oh, chez Mimi. Chez Mémé. Et nous avons actuellement une discussion sur le lit et faire dodo. On fait un 23 bornes, on n'est qu'au début, on parle déjà d'aller se coucher. Notre objectif, c'est pas la bière, c'est le lit.
Hey, ça fait un petit moment que je vous ai pas parlé. Je suis au 111e kilomètre, alors j'ai pas regardé combien de temps. Mais là, il m'annonce un truc pas sympa. Là. Un grand Thierry. Mais un grand Thierry qui arrive là-bas. Et pff, il va pas être évident celui-là. J'ai vraiment, vraiment, vraiment très très mal aux jambes. Mais bah, on va le faire comme ça. Hein. Regardez, il est là-bas derrière. Caché derrière les arbres. Je vous le remonte après. On est sur le Thierry 94 94A, et en plus pour fêter ça, il se remet à pleuvoir. Regardez-moi comme c'est beau. Au moins là c'est beau. Tout à l'heure ça l'était moins. On a les petits oiseaux, les petites poules d'eau. Ma soeur va me tuer à l'arrivée. On est reparti pour monter ça. Au dernier ravito. Merci. Non, c'est pas ouf. Je vais vous faire un petite descente sur le terrible. Terrible, pardon. Dédicace à ceux qui aiment quand je chante. Vous allez être servi. Roxanne. Roxanne. Mon pur de bonheur, un sneakers. Je kiffe ma vie. Je kiffe ma vie. Il y a des vaches. Des vaches sur le Thierry. Ouais, mais il m'en faut peu pour être rose. Voilà le QR code dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, bah vous amuserez à le scanner. Voilà. Et du coup là, hop hop hop, on n'oublie pas d'aller poinçonner. Et bah, on y va. Et ça se passe. Mais oh. Et c'est le dernier. Après, c'est the finish line. Voilà. J'espère que ma chérie va bien. Parce qu'elle monte celui-là et je viens de voir passer quelques marcheurs. J'espère la croiser, mais apparemment les parcours sont différents, du coup difficile de savoir où on est réellement. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Faut oublier de pointer. Oui, j'y vais, j'y vais. Je connais le principe, merci. Et voilà le sommet du dernier. Et on voit, toutes les festivités sont là en bas. Et comme d'hab, on pointe. Voilà. Et voilà. On se dirige. Je suis en compagnie, c'est comment ton prénom ? Nicolas. Ah bah ouais. En compagnie d'un Nicolas, parce que moi c'est Nicolas aussi. Voilà. Marcheur. Un petit marcheur qui a fait son 23 km. 23, ouais. Comme ma chérie qui était dessus. Alors je sais pas ce que ça a donné pour le moment. Je vais attendre certainement l'arrivée. On verra bien. Ah ben là je sais qu'on est à l'arrivée. Là on arrive. Faut que je me mette à courir quand même. Ah bah oui. Juste pour le style, ah ouais. Quoi. Bon, faut que je me mette à courir.
pour le style. Voilà, passer la barrière. Moi, je vais passer là. Ah, tu passes là. Oh, moi, je passe là. Moi, regarde, hop. Voilà. Mais je peux pas, là. Mais je passe où? Je passe où, là? Merci, merci, merci. Allez, et on regarde la vidéo, bien sûr, la vidéo de l'arrivée. Bravo à toi, félicitations, la Finishline est là, elle t'attend. Bravo, 15h41 minutes, c'est l'heure à laquelle vous aurez terminé. Et les voici, les voilà. Bravo, félicitations. Merci. Oh là là. Les élèves de José à Lens qui ont couru le 62 km en relais. Faites-leur un maximum de bruit, un maximum. C'est eux les jeunes, c'est eux qui ont mis l'ambiance sur le parcours. Bravo à tous. Lycée José de Lens. 18, félicitations. Merci beaucoup. Allez. J'arrête la montre quand même parce que je veux pas. Oui, là vous pouvez. Le 62 km en relais. Je suis à 2 minutes. Hein. C'est sincèrement. En tout cas, bravo. Merci, oui. Accompagné, le plus important, c'est ça. La bière. Ah oui, la bière. La bière, c'est ça l'important. Merci. Ça te donne envie de recommencer ou pas? Bon, bah, j'ai fait un petit coup de moins bien là. Je crois que j'ai avalé un peu trop de sucre d'un coup, donc c'était pas terrible. Mais je suis montée sur le terri. Là. Je suis à qui c'est arrivé là? Bravo Frangine! Bravo, félicitations! Merci, bravo à vous! Vous avez un lot à récupérer juste ici. Ok. Et après derrière il y aura un ravito. Ok. Bravo. Bonjour tout le monde, on se retrouve quelques jours après le trail des pyramides noires. Rapide débrief pour moi, la nuit a été très 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 compliquée avec beaucoup 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 d'eau. En plus j'ai eu quelques soucis avec avec la caméra, en gros avec l'eau et l'écran tactile qui est beaucoup plus sensible. C'est le chat qui fait le con, que celui de la GoPro. L'eau a déréglé complètement pardon, la caméra. Du coup, c'est pour ça que vous avez qu'une partie de la nuit, malheureusement. Bon, c'était un test. Pour le reste de la journée, heureusement, le temps s'est un peu arrangé. Il y a eu de la boue jusqu'au genou par endroit. Le balisage, c'était plus que catastrophique par endroit. En fait, en gros, ils ont mis de la chaux pour faire le traçage avec des chevrons au sol. Et avec tout ce qui est tombé comme flotte, et ben, tous les chevrons et trucs se sont barrés. Et en plus de ça, vous ajoutez quelques débasisages sauvages. Et ben, ça n'a franchement pas arrangé les choses. Un grand merci à Aurélien, parce que grâce à lui et sa montre GPX et le GPX magique, j'ai pas besoin de mettre la mienne tout de suite en charge parce que je suis pas sûr qu'elle aurait tenu toute la nuit. Donc il m'a bien aidé, il m'a guidé pendant un bon 50 bornes, je pense. On est resté ensemble, donc merci et bravo à lui puisque c'était la première fois qu'il faisait 126 km et il a terminé. Un peu derrière, mais il a terminé. Voilà, sinon je pense que j'en ferai plus une sauterie comme ça, hein, après 4 semaines d'arrêt total et une semaine d'entraînement, faire 126 km pour être précis, c'est pas franchement une bonne idée. Je commence à retrouver un petit peu mes jambes, ça y est, j'ai plus trop mal, si on peut dire ça. Voilà, et toi ma chérie, comment ça a été ton petit semi? C'était horrible. Non, c'était très bien. J'ai encore beaucoup à apprendre là-dessus, mais c'était très bien. Il n'a pas fait froid, il n'a pas trop plu, donc ça allait. Mais bon, la gadoue, mes chaussures légères sont devenues des Treston. J'ai appris aussi à faire du ski. Voilà.
Au lieu de tomber, j'ai décidé de faire du planté de bâton et de faire du ski. Voilà. Donc voilà, le trail des enfin la marche nordique du trail des pyramides noires m'a appris à faire du ski dans la gâteau. Voilà. Et puis voilà, très contente d'avoir fait mon premier semi. Bon, le temps, je m'en fiche un peu. Voilà, je l'ai fini, c'est déjà bien parce que la fin a été un peu compliquée. Donc voilà, c'était une bonne expérience. Je ne sais pas si je le referai ou pas, je ne sais pas encore, c'est pas encore. Voilà. Là, sur le moment, ça va. J'ai aucune douleur à part le tendon gauche. Donc, voilà. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais. Et du coup, on se donne rendez-vous pour dans pas longtemps. C'est pour le trail de Saint-Jacques by UTMB. Et après, ce sera le 90 du Mont-Blanc. Voilà, voilà. Allez, ciao, ciao. Résultat de ce trail des pyramides. Zitlin 9, le pantalon ça va. Bon, moi fidèle à moi-même. Il y a un demi-carton. Ours fidèle à lui-même. Il met de la terre même dans ses. Fais voir ton deuxième jambe là. Oh, qu'elle est belle. Je peux pas lever plus. Il est en train de mourir, le pauvre. Tu veux encore dire.